Test de vibration des moteurs sous Best Flight. Donc, il faut aller dans l'onglet Motor Testing. Et puis, on coche Check. Et puis, ici, on peut. Alors, bien sûr, il faut brancher, enfin, allumer la radiocommande, relier la carte de vol au PC. Et puis, brancher un accu. Et donc, quand on met en route un moteur, un seul à la fois, eh bien, on voit ce qui se passe au niveau des vibrations en fait. Donc moi j'ai changé le moteur 4 qui vibrait énormément. Et puis ben, maintenant vous allez voir le moteur 4 c'est celui qui vibre le moins. Donc là c'est le moteur 1. Donc il vibre quand même pas mal à bas régime. Après quand on monte au maximum on a moins de vibrations. Voilà le moteur 2. Il a aussi des grosses vibrations. Voilà, sachant que le moteur 4, il en avait encore plus que ça avant. Par contre, quand je suis au maximum, il y a peu de vibrations. Maintenant, le moteur 3. Voilà, des grosses vibrations à bas régime. Et puis à haut régime, il n'y a pratiquement plus rien. Et là, je viens de changer le moteur 4 qui vibrait encore plus que ça. Et celui-là, il est tout neuf, et vous allez voir, magique. On l'entend pas. Il n'y a aucune vibration. Un tout petit peu à très bas régime, voilà. Donc, il n'y a pas photo, mes vibrations, mon Jello, vous pouvez venir des moteurs sachant que mes hélices étaient bonnes. Donc, je vais changer mes trois autres moteurs.